Il est temps pour moi de faire mes valises et le départ qui approche. On va partir demain, je pense. Aujourd'hui, on est jeudi 27. Tariq, il veut qu'on prenne la route, je pense, demain. Soit demain matin, soit demain, quoi. Avec un gros pincement au cœur, je fais mes valises à contre-cœur. Le lendemain, je suis essoufflée. J'ai lavé mes filles, je me suis lavée, j'ai préparé les valises. Il reste juste la mienne ici. Il faut juste que je débarrasse ma coiffeuse. Je vais me préparer, je vais me coiffer. Et après, on va charger la voiture. On a emmené la voiture au lavage, donc il l'a rendue à Cacachal. Tu prends ça ? Je prends ça en France. Oui, tu prends ça en France. Mets-les ici dans le sac à chaussures. Moi, tu mets ça là sur la route ? Oui. Ok, mon amour. Ça va vous montrer, elle a mis la jolie tenue de Ziyech. Bravo, Tahia El Maghreb, Bnti. Bravo, Bnti. Bravo, Ninette. Regarde, il est spécial. C'est le moment de charger. Radio ? Oui, je fous. C'est nickel. Il y a mes verres en haut. Coucou ! Vidéo. Vidéo. Ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Oui, Bnti. واخا مشيتي ولا سيوسات لنيناس داب اخر مره مشو الحانوت عندي انا بعد اخر قطع ديال الحانوت ان شاء الله نشدو الطريق امين حمزه ما كيعرفوكش خصك تقدم راسك ما عمرك بنتي في اليوتيوب ديالي بنت تحلف الحنه اه صورك الحنه انت اللي صورتي ما بنتيش بزاف بنت انا لا لا باش ما لي ما تعرفوش المشاهدين جدادين هذه اختي هذا خويا الله يلا اختي ما خفي Ça, c'est le Maroc. Oui. Oui. Anna Kadzmullah. Le chef à Marc Hamza. 27. 27 ans, Inch'Allah. Rachid Boutnes. Y'a qu'à Tariq. Oui, c'est elle. Aïe, c'est elle. Tu vois que tu brilles à qui brilles, Inch'Allah. Maman. Ou des louis d'assiette. Ou tu t'en fais à قول ان شاء الله ضروري امين راك وين اللي مازال شوفوا البنات اللي عجبكم حمزه لا بلاش هذه ثاني بيتي تور وحانوت ايناس محمقانه dernière petite sucette ماما ايش tu veux quoi sucette celle-là voir بارك عليك avec un petit jus comme ça on va demander à Moulhanout. Ça y est, c'est le moment de leur dire au revoir. On devrait rentrer à la maison là, Yak. Ouais. On a ça. Fait déjà pas. Ah, mais rien à faire. Ok, ça marche. Yalla. Yalla, bisous. Là aussi, comme à la fête. Amine, maman, bisous. Yalla, salam. Amine, on a dit au revoir à la famille. Et puis, bon, on est triste. On est très triste de quitter la famille. Là, on a pris la route et Tariq, il s'est déjà arrêté, s'il vous plaît. Galek, il va acheter le roman. Le roman. On n'a pas à la maison. Ah ouais, elle en a pris beaucoup, là. Oh là là, Ammar, Ammar. Ah non, mais dis pas, il a pris tout ça. On va le mettre où? On est chargé à bloc. Il a mis à ses pieds. Parfait. La dernière place qui était disponible, Ammar fait Armouane. Mazalat est disponible. Non, non, je sais pas. Hein? Mazalat est disponible. Ça y est, il y a mon sac là et tout, laisse tomber. Ça va, Talem? Non? Papa, j'ai pas. On a très bonnes vacances avec la famille. ملي كنكون جايين كنكونوا فرحانين اقبح حاجه ما كان هي فاش كنكون غادي ايوا
فوالا صافي البان بقات فيها الوالده بقات كتبكي بقات فيها صوفيا رشيد منام كلهم الناس فرونشمون كلشي راه كيبكي ميسال ما بقات كتبكي ميسال ما بغاتش تركب ميسال كتبغي البلاد بزاف وكتبغي خوتي وكتبغي لا فامي كيعجبها تجلس معاهم عندها فين تلعب وكيعطيوها الخطر كيخرجوها كيخرجها بالموتور الاخر كتخرج مع القهوه الاخر تخرج مع لهنا كتلف الوقت دغيا مهم ونا باسي تري 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 بون فاكونس والحمد لله خوتي البنات تهلاو فيا مزيانين تهلاو فينا شنقول لك والله العظيم خوشمو تهلاو فينا بزاف كانوا كيدير فينا واحد البليزير زوين المهم تهلاو فينا بزاف عرفتي بكيت على خاطري الحمد لله الله تفاجئت شويه المهم شاده في قلبك كنت شاده في قلبي بزاف ما قدرتش نبكي حداهم باش منبي لهم راني كنبكي بصراحه دوزنا واحد الشهر واعر بزاف مع العائله ما سافرناش بزاف سافرنا شويه ولكن ما بغيناش ما بغيناش نخليهم مساكن كيتسناونا العام كامل باش نجلسوا معاهم غنبقاو نمشيو للبحر من هنا نبقاو نمشيو من هنا ما غير الوقت كيدوز دغيا دوزت معاهم هذاك الشهير مخير فما مشيت كندي معايا الوالده اختي صوفيا راكم شفتوا بعينيكم هي خوتي صوفيا وزهر تحيه للوالده مسكينه اللي خطي علينا وتحيه لرشيد منعم انس دوزنا تري 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 بون فاكونس الحمد لله ما كاين لا مشاكل لا والو الضحك والنشاط والليلي عليها والحمد لله وتحيه لكم نخليكم مع لاله نبيله وتعطيكم Anna, je suis d'accord avec mon mari sur tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'on a. Je vais traduire. Il a dit qu'on a passé un mois en famille avec nos proches, on a profité avec eux. Ils ont pris soin de nous comme on a pris soin d'eux. Ils s'occupaient de nous, ils nous faisaient à manger. Il a dit ma femme va très bien. Les enfants, ils profitent avec leurs cousins, leurs tantes, créer des souvenirs, etc. Il n'a pas voulu pleurer devant sa famille, c'est pour ça que là il s'est mis à pleurer d'un coup. Mais c'est très dur de quitter ses proches. Maïsane elle est derrière, elle est en train de pleurer encore. Elle m'a dit je veux pas partir. Elle m'a dit je veux rester ici. Elle m'a dit descends-moi ma valise, je veux pas partir. C'est pas vrai. Ça y est, on reviendra, Inch'Allah, on reviendra. D'accord ? Il y a un deux chats, il a Zazizi, Paysor, Omra, Doha. Deux chats, il est Paysi, Chauffard. وحنا كنعرفوا الظروف ديال لهم راه ما كتخليكش حنا فاهمين داكشي الظروف ديال لهم ولكن راه كتكون واحد الافتتاح فين يجي يشوف العائله ولا حنا اوني فيني بور بروفيتي اك لا فامي بروفيتي اك لا فامي مو فور لي بحار ولا نمشي لا با بور فير لي توريست اون اوري بو الي فير لي توريست مي اوني ريستي سور فاس On les a fait kiffer sur Fès. On a parti de Gaza, on a parti de Mohammedia. Voilà, on a fait pas mal de choses. Coucou Inès. Inès, elle a pas pleuré, elle a dit je suis contente. Oui, Fès, elle a fait beaucoup de choses. Et où est-ce qu'on joue à Bounes Balla Chaleur C'est pas la quête de la clé, on va profiter de la famille. Mais franchement, elle dit à Merda. Franchement. Ça fait deux nuits qu'on est au secours, limite. Tellement il faisait froid. C'est trop trop froid. Franchement. Mais là, Radidji Wahed Harara, on va. À partir de dimanche prochain, les températures vont augmenter de malade. Là, on a décidé de partir par Tanger. Voilà. On part à Tanger, Inch'Allah. Tanger El Khoziret. Pourquoi c'est moi qui ai dit à mon mari, viens, on part par Tanger. Parce qu'au niveau du budget, le bateau, il est moins cher que Almeria. Almeria, certes, c'est top. Mais le budget, franchement, à l'aller, on a payé, comme je vous ai dit, 435 euros. Juste le bateau avec la voiture et les enfants et nous.
Jemed Tarifa Al Khouzirat ou Tarifa, on ne sait pas, on verra à ce moment-là le prix le plus attractif. Aujourd'hui, on est actuellement le 28 juillet. Donc normalement, les tarifs ils sont pas excessifs parce que les gens normalement qui entrent là, en fait, leur état. Et il y a peu de personnes qui rentrent à ce moment-là. J'espère que voilà, on aura des prix abordables. Voilà les amis, donc direction Tanger, on va se remettre de nos émotions. Et puis voilà. Go. Bon les amis, on a déjà fait une pause. Au bout de 30 minutes. Même pas. On a pris des glaces. Les filles, elle est bonne la glace? Ouais. Elle est bonne la glace moi. Très bien. Moi j'ai pris. Moi j'ai pris chocolat. Ouais, capuch. J'ai pris un cappuccino Starbucks frais, 31 dirhams. Tariq, Kafka Follet, Frône. Et Tariq, donc, je lui ai pris Cornéo citron et moi chocolat. Et les filles chocolat vanille. Voilà, bon, c'est moi qui conduis, j'ai envie de conduire. Tant que je suis en forme, à la bra. À la glace électrique d'eau. La glace d'y aller. On est à peine vers Meknes là. On a roulé 40 minutes, on a resté que 30 minutes. Ah bon? C'est bien. Magnifique. Ah bon, il y a 40 minutes? Non. Bah, doucement, petit à petit. Et où mon téléphone? J'ai mis le GPS parce qu'il y a les radars sur la route. Un télé. Mais celle-là. Le train chez Bottle. Il y a le zéto en marteau. Oh la mèche zéto. Tu te rends compte? Ah waouh. Allez, c'est parti, Chmicha. Allez, allez, tout droit pendant une heure. Let's go. Plein au Maroc avant d'entrer en Espagne. Nous sommes arrivés au port de Tangemed. Bon, on le voit de loin. On est encore sur l'autoroute là. On est arrivé. Tangemed. Regarde, on est arrivé. On est arrivé. Salam alaikum. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le matar. Le matar. Radi le matar. Non mais franchement je vais dire radi le matar n'importe quoi. Le port il est immense, c'est un des plus gros ports d'Afrique. C'est à l'air, ça va? C'est bon et toi? Tranquille. Carte grise tout là. Et il y a tout dedans. C'est petit pour mon goût. Bon les amis, alors nous sommes arrivés au port, je vais le dire 50 fois, mais je vous le redis. Pour le billet, donc je vous ai dit que j'allais vous tenir au courant par rapport au prix, etc. Première fois qu'on prend le billet sur la route, d'accord, c'est-à-dire sur la route, sur l'autoroute, quand vous arrêtez dans des aires de repos, vous trouvez des agences qui proposent des billets. Et là, par curiosité, je me suis arrêtée et je lui ai demandé. J'ai trouvé une différence de quasiment 100 € par rapport au site internet sur l'agence qu'il y avait sur les autoroutes. J'ai trouvé ça un peu bizarre, d'accord, et mon mari, ça lui a mis le doute et il est parti. Pendant le trajet, le temps d'arriver au port, j'ai eu un petit doute. J'ai dit, Tariq, là, il y a quasiment 90 €, 100 € de différence par rapport au site internet. Ça fait quand même chier, t'imagines? On aurait pu avoir le billet à 200 €. Mais les neiges, on s'est arrêté à une autre de repos, là où on a fait le plein, là, juste avant là où je vous ai montré qu'on a fait le plein. Du coup, j'ai réservé un billet, là, pour 3h du matin, il est 1h du matin actuellement, à 2190 dirhams. Goulot, 200 €, d'accord? Et là, on est arrivé au port, on lui a donné le billet, il nous a dit qu'il fallait qu'on le confirme. Là, normalement, si tout va bien,
Le mec il m'a même laissé son numéro de téléphone. Il m'a dit si tu veux l'année prochaine ou n'importe quand tu viens, par exemple l'année prochaine, si tu viens l'été prochain, me contacte aux alentours de fin janvier, février, mars, avril, fin avril, début mai. Il dit moi je te coupe le billet, aller-retour. Il m'a dit tu peux en avoir pour 300 euros aller-retour ouvert, c'est-à-dire tu vas quand tu veux et tu reviens quand tu veux et t'en auras pour un prix hors saison. J'ai dit ok. Donc là j'attends Tariq qui revient du checking. Dès qu'il fait le checking et qu'il revient avec les billets, c'est que c'est bon, il n'y a pas d'arnaque. Bon, en tout cas, ça nous aurait fait une économie de 100 euros, vous imaginez. Et je lui ai dit, et pourquoi c'est moins cher? Il me dit, bah, parce que c'est comme ça, tu évites tous les frais d'agence dans le port, qu'il y a dans le port, etc. Donc c'est moins cher que le site internet et c'est moins cher que quand tu viens le Qta ici directement au port. Je lui ai dit, moi j'ai toujours Qta au port, directement au port. Il m'a dit, ouais, mais tu payes toujours plein pot. Il rigolait. Il m'a dit, je paye toujours plein pot. Il m'a dit, moi-même, je travaille au port et je peux pas faire de réduction. Quand tu prends le billet hors port ou hors site internet, tu as des réductions. Je me suis toujours fait avoir. Donc, j'attends Tariq, j'attends son retour et reste avec moi. Où est-il? Je rigole. J'attends Tariq qui revient pour voir si c'est un vrai billet et qu'il n'y a pas d'arnaque. C'est un vrai billet, il n'y a pas d'arnaque. Le mec il m'aurait pas laissé son numéro de téléphone sinon. En plus il a payé avec la carte bancaire, tu payes pas avec l'espèce. Hein. Ouais, moi j'ai payé avec la carte bancaire. Moi je préfère tu laisses les preuves. Ouais, j'ai payé avec la carte bancaire. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, moi j'ai. Attends, c'est moi, il faut que je mette ma ceinture. Ah non mais le téléphone j'ai l'obrat de khnicha. Il a khnicha. Ah de khnicha. بلا شنو ندير نرجعها ما كليش هذيك الخنيشه كنت فكرتي فيها بدر سفيها وعلاش خليتيها معليش سي با غراف ما كتبش با غراف عليها دونك بعد دوكو جي بلوس سون نيميرو دو تيليفون ان تو كا فات اتونسيون سور كي فو تومبي ان تو كا لو بروميير لي حبسنا عنده لي قال لنا 200 يورو كلا اون سو ران ديريكتومون او باتو فاموس 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 سي بارتي Parking 6, embarquement, Africa, Morocco, Link. Oui, je pense que c'est là, ouais. Oui, c'est là. Ça va, c'est pas rempli. Ça va, regardez le monde. D'accord. Il y en a pas mal qui rentrent maintenant, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Bah oui, quand même. Ah ouais, le bateau, c'est une naine. Oh, il est varie rouge. Il est varie rouge. Amare, 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 franchement les amis, il y a beaucoup de voitures qui partent quand même, hein, fin juillet. Hein. Ah, j'ai tué fin août. Hein. Fin août, oulala, macho. Un bateau ici. Embarquement imminent, intertripping. Baleria. Là, il y a Baleria. Amalé. Amalé. Regardez, vous avez les aires de repos là. Les aires de repos. Aires de jeu pour les enfants. Coucou. Non, pas les gants. C'est normal avec des moments de sport. Appelle maman. Maman s'appelle. Qui c'est maman? Maman s'appelle Nabila et Nabila, c'est toi. Amare, oh là là, les filles là, c'est quoi ça? Elles m'ont retourné la tête. Amare, aman, aman. Ya la sekat harakne. Allez, embarquement imminent. Ça y est, c'est fini les vacances. Comme je dis que je suis pas en bateau parce que je t'ai. Bon les amis, ça y est, on est dans le bateau. J'ai fait un petit tour rapidos. Alors, il n'y a pas de cabine, il n'y a rien. C'est un express rapide, c'est-à-dire il va droit au but, comme Marseille, comme l'OM. Il va droit au but, donc il y a juste des fauteuils comme ça,
Hola. Hola. J'ai des fauteuils comme ça. Voilà. Il y a une petite cafétéria pour prendre un café, etc. Mais il n'y a que des sièges. Et je crois qu'on peut même pas aller dehors. Il n'y a même pas de toit terrasse. Pas de balcon. Voilà. Les amis, j'espère que vous allez bien. Il vient de m'arriver un truc de fou là. Il me reste 171 km et j'arrive à la maison. D'accord. J'arrive aux alentours de 3h38 et j'étais à fond sur la route jusqu'à ce que je vois ma plaque d'immatriculation. Jusqu'à ce que je vois ma plaque d'immatriculation sur les panneaux là. Il y avait marqué ma plaque et il y avait marqué trop vite. Là j'ai mis Waze pour les radars et j'ai mis le GPS là dans la voiture normale. Tu sais, j'ai mis Waze juste pour les radars. J'ai pas compris comment ils ont réussi à capter que j'allais vite. Sans radar, sans police, sans... J'ai pas compris. Le régulateur à 135, mais de temps en temps je peux juste de temps en temps je tapais des petits coups d'accélération, tu vois, ni vu ni connu. Ça, je suis pas toute seule. Depuis tout à l'heure, dès que j'ai vu ma plaque sur la télé là, j'ai remis le régulateur à 130. Ah, je suis choquée, c'est la première fois que ça m'arrive. Les amis, il est actuellement 3h40 du matin. Oui. Nous sommes enfin, alhamdoulilah, laslamtna, arrivés à la maison. Sur ce, on va rentrer, on va pas décharger ni rien du tout. Monter à la maison directement et on se retrouve demain. De mes verres pour pouvoir accueillir mes nouveaux verres à thé traditionnel que j'ai acheté à Manjane, je vous avais montré. Donc j'ai fait de la place parce que j'avais énormément de verres. Cette nuit on a mangé un McDo sur la route là, qu'on en a eu trois comme ça et je les trouve trop beaux. Donc j'aurais fait une petite place ici, c'est mes verres à café, à thé, à eau. Et puis il fallait bien de la place pour accueillir ces nouveaux verres. Donc j'ai pris, comme je vous avais montré, ceux-là, à Marjane, ils sont trop beaux, en qualité premium. Donc ça, je pense pas qu'ils passent au lave-vaisselle. Ils sont canons, franchement, ils sont trop beaux. Bon, voilà, je leur ai fait leur petite place. Ici, les tasses de café sont dans le lave-vaisselle. Et voilà, on va essayer de minimaliser tout ça. Je vais faire un grand tri partout. Que ce soit vêtements, vaisselle, je fais un grand tri. Ceux du Maroc. Franchement, toute la route, ça sentait les épices dans la voiture. Et tellement, elles sont fraîches les épices. Par contre, j'ai pas pris beaucoup. D'habitude, je prends 1 kg, voire 500 g d'épices, amdrablam. Mais là, je me suis dit, pour pas qu'elles refroidissent les épices et qu'elles ne donnent plus au niveau du goût, même au niveau de l'odeur, j'ai dit, je prends en petite quantité, c'est mieux. Ça, c'est par expérience, si je vous dis ça, c'est par expérience. Parce que j'ai déjà pris en quantité et au final... On ne sent plus trop la taille au niveau de l'odeur et même au niveau du goût. Voilà, donc j'ai pris comme d'habitude cumin, curcuma, paprika, gingembre, bâtonnet de cannelle, poivre et ras el hanout pour moi et ras el hanout pour ma copine. Voilà. Je vous fais un petit haul express de ce que j'ai ramené avec moi du Maroc. Donc comme je vous ai montré les verres. Donc en fait, je vous ai dit il reste de la place, mais j'ai complètement zappé que j'avais acheté ces verres aussi. 4 euros le verre, j'en ai pris 6. Alors,
Donc j'ai pris de la levure spéciale pâtisserie parce que vraiment elle est vraiment top. Je sais qu'il y en a en France, etc. Mais ça y est, j'ai vraiment kiffé celle-là et du coup, l'khmera, elle est vraiment wa'ala. Le sucre vanillé, il est aussi vraiment très 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 mjhed. C'est-à-dire l'odeur, on sent vraiment l'odeur du sucre vanillé comparé à ce qu'on achète ici. Ensuite, bon, j'en ai pas pris beaucoup, hein, j'en ai pris deux de chaque. Hein. Voilà, c'est juste histoire d'eux. J'ai pris de la sauce Star Hot Sauce pour Sitarek, j'en ai pris 4. Et j'ai pris aussi celle-là. À la base, c'est la première qui m'avait ramené de la sauce comme ça. C'était Samia qui m'en avait ramené de Birken. Et depuis, j'en ramène tout le temps. Mon mari kiffe. Elle est vraiment halal, elle est vraiment magnifique. Ensuite, je suis passée à la pâtisserie Aswen. Donc, c'est une pâtisserie au centre-ville de Fès. J'ai pris ce amelot à base d'amandes et huile d'argan. Donc, je vais goûter. On va voir ce que ça donne. Je l'ai eu à 7 euros. C'est bien, donc après il faudra bien le secouer avant de consommer. J'ai pris ces mini saucières à marjane. On peut s'en servir en tant que mini saucière ou même mettre du lait chaud si vous voulez petit déjeuner le matin. Enfin bref, j'en ai pris deux, j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai pris ces assiettes aussi fait main à la Médina. Donc j'en ai pris 4, 8 euros la pièce. Donc j'ai pris, alors rien à voir, hein. J'ai pris le petit comme ça et j'ai pris le grand comme ça. Mais je vais pas les mettre ensemble, d'accord? Donc celui-là, par exemple, quand je vais utiliser celui-là, ben je le mets avec les verres, d'accord? Et sinon, celui-là, je le mettrai dans une petite signac que j'ai aussi ici déjà à la maison. Donc celui-là, je l'ai eu pour 600 dirhams, je crois qu'il nous l'a laissé à 550 dirhams, d'accord? Celui-là, il nous l'avait dit à 350, il nous l'a laissé à 300. Et la, qu'on s'appelle Sinia, trop trop belle, parce que vous voyez le travail qui est fait main ici sur les côtés, d'accord? Là. Et ici sur les côtés, en fait ça rappelle exactement, exactement le bread, vous voyez. Donc la Signa, au lieu de 600, il nous l'a laissé à 550. Bref, au total j'ai payé 1300 dirhams. Et aussi à la Médina j'ai trouvé ces deux petites panières comme ça, j'ai trouvé trop trop belles. Je crois que j'ai payé ça 7,50€ les deux. Enfin bref, il avait vendu le plus petit, du coup j'ai pris que le grand et le moyen. Pour finir, j'ai pris ces mini kalbskar, mais je les trouve trop mignons. En fait, je voulais les offrir au mois de décembre quand j'étais venue. J'en avais commandé, sauf que le mec il m'a fait un faux plan, il a oublié de les ramener. Du coup, j'ai pris ma revanche et là, je les ai récupérés. Donc ça, ça coûte 2 dirhams une. En fait, c'est des sucres. C'est des sucres comme ça, mais très très originaux. Mais c'est même pour décorer, c'est trop beau. J'aime trop. Bien évidemment, on n'oublie pas le khlir. Donc il en a pris un pour, enfin c'est moi qui lui ai pris un pour son copain et un pour mon mari. Parce que moi j'aime pas trop ça, clair. J'ai pris 5 kg de fino, semoule fino, 15. Comme vous savez, j'ai testé 15 suite à un partenariat. Et franchement, depuis je n'arrive plus à m'en passer. Franchement, la qualité de la semoule, elle est juste incroyable. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir ce type de semoule ici en France, en fait il suffit simplement de demander à votre boucherie, épicier, etc. qui vous l'emmène. Et en fait, c'est en train d'arriver petit à petit en France. Moi pour l'instant, sur mon secteur, il n'y en a pas. C'est en train d'arriver petit à petit. J'ai fait toutes les boucheries, j'ai essayé de booster un petit peu pour qu'ils nous les emmènent ici. En attendant, je me suis équipée et j'ai pris 5 kg de fino et 5 kg de moule fine. Voilà, semoule fine. Voilà, ça c'est pour faire le harcha, etc. Et ça c'est plus pour faire le msemen, le mlaoui, le brarer, etc. Non, le brarer, oui, le brarer, etc. Donc voilà, donc la marque 15, je valide. La semoule de couscous aussi magnifique. Il y a la farine complète, ça il m'en reste encore. J'adore. Et là, j'ai pris carrément le paquet de levure naturelle de la marque Rafia. Il y a exactement 100 levure à l'intérieur, j'en ai eu pour 10 euros. Franchement, 10 euros. Et la levure là, moi je vous le dis, hein, j'en ai ramené la dernière fois avec moi. Donc, marqué halal, je sais pas si la levure elle doit être halal ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle monte super bien les pâtes, etc. Et moi d'habitude, je prends la francine et franchement, c'est pas donné. D'accord? Alors que là, franchement, 100 de 10 grammes, 1 kilo pour 10 euros. Franchement, c'est top. Si je viens pour acheter la francine, j'en aurai pas pour 10 euros, hein. J'en aurai pour beaucoup plus cher. Ah, je suis super rue. Donc, je voulais vous montrer du coup au kilo la levure que je vous ai dit, la francine, celle que je prends habituellement. Donc, si vous prenez 1 kilo, ça revient à 43 euros le kilo. Donc, vous voyez la différence, j'ai fait une économie de 33 euros. Donc, voilà pour les petits bons plans, si ça peut vous aider, si vous savez pas quoi ramener avec vous. En tout cas, moi, voilà ce que j'ai ramené avec moi.
ça, je vais passer à Action. Action, je vais acheter des boîtes en plastique pour mettre ma semoule directement à l'intérieur et je vais mettre des petites étiquettes pour marquer Fino et semoule fine. Voilà, donc ça c'était pour le petit haul. Mais on se retrouve quelques jours plus tard. Du coup, j'ai acheté les boîtes, comme je vous ai dit, à Action. Donc j'ai pris une box de 12,5 litres. La différence, voilà. Donc là c'est la Fino et celle-là c'est la Semoufine. Donc là j'ai plus qu'à ranger, super pratique. Il faut juste que je mette des genres de pelles là, il faut que j'achète des genres de pelles pour pouvoir y prendre. Et puis voilà.